Waouh! Mais que se passe-t-il encore ici? Je te suis bonne! Mes frères et sœurs, c'est incroyable! Mais vrai! Ah! Une femme a été surprise en train de baptiser les gens. Sérieux? Sérieux? Une femme doit-elle baptiser? Ah! Un homme est apparu tout de suite avec la parole de Dieu et cet homme a commencé à parler pour dire que c'est pas normal et que cette femme devrait arrêter ce qu'elle est en train de faire parce que. C'est-à-dire. Sérieux, mais cette femme ici ne va pas se laisser faire. Ce que nous allons voir, ça c'est un combat spirituel qui devient physique, c'est-à-dire qui rentre dans la vie réelle. Ha! Le problème, ce sont même les fidèles. Les fidèles ne savent même plus ce qui se passe. Les gens ne cherchent pas à rencontrer Dieu d'abord avant d'aller voir des pasteurs ou bien des gens. Et c'est là les gens tombent souvent, c'est un piège bizarre comme ça. Avant de me parler même de ça, nous allons aller au studio pour voir ça. Si vous n'avez pas encore partagé cette vidéo, faites-le maintenant. Abonnez-vous et activez la cloche. C'est parti. Mes frères et sœurs, est-ce que vous allez bien? Est-ce que votre famille se porte à merveille? Si c'est le cas, Dieu merci. Ce que nous allons voir maintenant ici, vraiment, c'est grave. Mais chacun a son mot à dire. Mais il faudrait que ce soit basé sur la parole de Dieu. Ce n'est pas une discussion. Ce n'est pas un débat. La parole de Dieu est là, les écritures sont là. Et nous devons obéir. Nous devons suivre Dieu. Nous devons suivre le Seigneur Jésus-Christ et la parole de Dieu. Sinon, personne d'autre. Maintenant, regardez ça. Voici le cas. Un cas comme le bacar. Rempli de trucs bizarres. On ne comprend pas ce qui se passe ici. Et ce que nous allons voir ici, vraiment, c'est étonnant. Vous voyez déjà? Mais bien sûr que oui, il y a un baptême. Une personne va se faire baptiser. Mais pas comme d'habitude. Cette personne va se faire baptiser par une autre femme. Une femme va baptiser des gens. Et pendant qu'elle se préparait à faire la cérémonie, voici que des gens vont venir l'interrompre. Et c'est là le show va commencer. Ce que vous voyez à l'écran, ce n'est pas de la blague. C'est bien réel. Écoutons ça. Je comprends votre zèle et votre ambition est vide. Mais on n'est pas Dieu, on parle de Pérez Ouza. Ouza est mort parce qu'il voulait soutenir l'âge de Dieu. L'âge qui est quoi l'église? Parce que l'église voulait tomber. Aujourd'hui, quand les femmes se lèvent pour prêcher l'évangile, c'est parce que les hommes ont abandonné leur fonction. Les hommes ont abandonné le service de Dieu et en retour, les femmes qui sont maintenant qui comprennent que les hommes sont en train d'aller en enfer, ils se servissent de l'affaire. Mais au commencement, si nous voulons rentrer dans l'écriture, dans l'évangile, aucune femme dans la Bible n'avait baptisé. Aucune dans la Bible n'avait fait la fonction. Elle se tenait derrière pour soutenir l'œuvre de Dieu, pour prier pour l'œuvre de Dieu, pour la libéralité. Et on nous parle de ce qui était diaconé de s'entrer. Elle a été recommandée. Voilà le rôle de la femme. De prière, une femme qui soutient l'œuvre de Dieu, parce que quoi? La femme a été tirée de la faute de l'homme. La femme existe pour son mari. Oh, ceci, l'autorité. Nous devons revenir sur l'écriture. Je vois ces hommes qui veulent Jésus-Christ. Non, sur la parole, mais ne se donnons pas là. Je comprends ce que vous voulez faire. Mais vous devez le savoir. Il revient en fait à un homme. Il y a beaucoup de choses qu'on peut établir. Quand elle prie, moi ça couvre la tête, maman. Moi ça couvre la tête, maman. Maman, est-ce que vous avez vu les femmes aller baptiser? Est-ce que vous avez vu dans la Bible, est-ce qu'il y a des femmes qui baptisent? Vous avez vu notre tête, non, maman? Je vous en prie, monsieur. Je vous en prie. Oui. Si vous voulez, prenez mon numéro. Est-ce qu'on a dit le baptiser? Est-ce qu'on a dit que la femme baptise? Non, maman, ça va. Le frère va parler.
dernièrement ils sont en devenant mères, si elles persévèrent. Je ne permets pas la femme d'enseigner, je prends l'autorité sur l'homme. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre autorité sur l'homme. C'est la parole de Dieu ou bien c'est la parole du diable? Mais que se passe-t-il ici? C'est un réel débat. Et apparemment, ce n'est pas prêt de se terminer. Hein? Regardez encore, ça continue, ça continue, ça continue! Regardez même ça! Wow! C'est grave! Il a dit que dans les églises de Dieu, cela ne se fait pas. L'église de Dieu, c'est pour tout le monde. Mais maintenant, donc, quand ça a la fonction, regardons dans la Bible, où est-ce qu'on a vu que Marie avait baptisé, ou alors celle qui ont marché avec vous, comme Suzanne, comme Anne, ils n'ont pas baptisé. Comme il dit, c'est les apôtres. Ils font tous ces hommes-là. Il y avait dans la parole de Dieu beaucoup de femmes. Ils marchaient. Ils se mettent de Dieu. Aucune d'elles n'avait vraiment baptisé. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que le monsieur a tenté de dire? Depuis, la femme ne parle pas. Hein? Bon, elle va nous parler maintenant. Elle va parler. Regardez, regardez. Écoutez ça. Voilà. Les cheveux de la femme sont un voile. Les cheveux de la femme sont un voile. Elle dit que les cheveux de la femme sont un voile. Ah, sérieux? Bon, allons-y, puis nous écoutons là encore. Les cheveux ne sont pas en voile. La femme doit être voilée sans qu'elle puisse passer sur la tête. Nous, on parle de cheveux dans le monde. Non, maman, les cheveux. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas les cheveux. C'est les faux cheveux, non, maman. C'est les faux cheveux, non, maman. C'est les faux cheveux, non, maman. Et la femme, elle lui dit, ah, tes cheveux, ce sont les faux cheveux, hein, maman. Elle aussi, elle se met à rire parce que elle a été attrapée avec de faux cheveux sur la tête. Là, c'est bizarre. C'est comme si vous venez d'attraper le diable, la main dans le sac, quoi. Et regardez bien. Est-ce que ce sont de faux cheveux? C'est même coloré, un peu plus de couleur. Ah, le paradis sera presque vide, hein? Mais ça va aller. Nous serons la pointe là-bas. C'est pas grave. Vous voyez ça? Que Dieu nous aide. Maman, ah, c'est pour toi, hein? Tu me prendras de ça devant Dieu. Si tu veux, maman. Ah, oui. Il vous envoie, je ne suis pas l'évêque, je suis Jésus-Christ. Comme c'est chaud, là, elle a commencé à parler de son évêque, elle parle de son évêque, tout ça, tout ça, tout ça. Elle dit que son évêque les envoie baptiser et autres, Tu as dit, à cause de ton évêque. C'est même chaud, hein? Tu vas te retrouver en enfer à cause de ton évêque. Tu vas te retrouver en enfer à cause de ton évêque. Ah! Sérieux? Demain, Jésus va vous rejeter. Et c'est pas de la blague, il y a beaucoup de femmes qui s'habillent d'une manière bizarre, qui ont de faux cheveux, qui, en fait, quand vous regardez ces femmes, vous avez l'impression qu'il n'y a pas de différence entre les femmes de l'église de Dieu et les femmes du monde. Moi-même, quand je regarde même les musulmanes, comment elles sont habillées, vous allez voir, vous montrer ça. Moi-même, quand je regarde les femmes musulmanes, il y a un grand, il y a vraiment un très grand respect pour les musulmans. J'ai sérieusement un grand respect pour les musulmans. Il y avait même un ami musulman. Plusieurs amis musulmans, mais il y a un qui était vraiment zélé dans la chose. Quand vous le voyez même, vous avez l'impression que vous-même, vous ne faites rien, quoi. Oui, vous avez l'impression que vous n'êtes pas un vrai croyant. Regardez comment la femme, là, elle est voilée. Là, ici, voici une star qui a décidé de se ranger, c'est-à-dire quitter le monde. Et regardez, elle est voilée parce que c'est ce que on a demandé de faire. Et elle obéit à la volonté de Dieu parce qu'une femme vraiment doit être bien, bien fermée comme ça. Et c'est là, c'était dans les débuts où ça commençait, où elle essaie de quitter le monde du rap pour s'accrocher à Dieu. Voici comment elle a commencé déjà et elle montrait ça un peu à tout le monde. Vous voyez ce que elle était prête à faire. Pourquoi aujourd'hui les femmes chrétiennes ne font pas comme ça?
elle a quitté ce monde où elle s'habillait en pantalon, où elle faisait comme ça, pour venir dans un autre monde. Regardez comment ça, c'était ça sa vie. Ah, quand on voit ça, on dit, ah, vraiment, elle a été quand même transformée. Hein? Ou bien, oui, on dit qu'elle a été transformée. Mais souvent, même chez les chrétiens, nous, les femmes chrétiennes, on ne sait pas vraiment où est la transformation. Si vous voulez savoir, regardez vous-même encore, regardez. On ne voit pas vraiment quelle est la transformation. Vous voyez, non? Ce n'est pas de la blague, c'est que nous sommes en train de vous raconter. Nous ne racontons pas les histoires ici. C'est vrai. Quand moi, je regarde ça, ça me fait tellement mal. Je me dis, mais waouh, dans quel monde sommes-nous? Comment les jeunes ne veulent pas respecter la parole de Dieu? Tu es un chrétien ou bien tu es un chrétien? Tu cherches à aller sur le chemin de Dieu ou bien tu cherches à aller sur un autre chemin? Chez nous, on dit que quand on vient chez Dieu, on obéit à sa parole. Chez nous, on parle des Écritures. Les Écritures, ça représente tout juste la parole de Dieu. Et c'est la parole de Dieu que nous tous ici, nous devons suivre. Il n'y a pas de discussion. Juste, tu suis. Tu mets en application. Et c'est ce que tout le monde fait. Dans toutes les régions, c'est ce qui se passe là-bas. Mais on a l'impression que chez les chrétiens, il y a beaucoup de problèmes. Et même certains collègues youtubeurs en parlent. Mais allons depuis loin pour voir quelque chose. Il y a les choses. Demain, Jésus va vous rejeter. Je te dis, maman. Demain, Jésus va vous rejeter. Je te dis, maman. Même quand on vous parle de même, chez certains musulmans, c'est un truc. Même dans le monde, regardez comment la femme de Donald Trump est habillée. Regardez comment elle est habillée. Elle est même bien fermée, quoi. De la tête jusqu'au sortant. Regardez bien. Regardez. Bien fermée comme ça. Ah. Moi, je me pose la question, mais qu'est-ce qui ne va pas vraiment avec les femmes, même souvent les femmes chrétiennes? Réveillons-nous quand même. Hein. Réveillons-nous. Les chrétiens même sont des problèmes. Hein. On a l'impression même que les chrétiens sont les plus attaqués. Parce qu'on dirait qu'eux-mêmes veulent même se laisser attaquer par le diable. Malgré tous les avertissements, elle ne va pas écouter, elle va juste aller faire le baptême, tout et tout. Baptiser des gens, de le voir, regarder. Et le processus a commencé. Personne ne peut l'arrêter. Bon, est-ce qu'elle a cru? Est-ce qu'elle pense que c'est de la blague? Regardez. Et le baptême a commencé. Baptiser les gens. Voilà, mettre dans l'eau, faire ressortir. Voilà. Voilà. Baptême. Un homme même sera baptisé. Un garçon sera baptisé. Ah. Mes frères et sœurs. Bon, moi je sais pas dans quel monde on est, où encore, où on va. Est-ce que vous êtes un expert de la parole de Dieu? Ici, il n'y a pas d'expert dans la parole de Dieu. C'est ce que le Saint-Esprit dit. C'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Toi, tu dois respecter, tu dois suivre. Il y a beaucoup de choses qu'on a à apprendre encore, quoi. Des femmes qui baptisent. Il y a vu des fois où il y a même des femmes qui prêchent, comme ce que nous venons de voir. Mais souvent même, c'est un peu bizarre, parce que la mère doit s'habiller même là. Souvent, tu es là, mais tu as l'église, et puis tu dis, mais ah, la femme du pasteur veut nous séduire ou quoi? Hein? Moi, tu as mis tant de choses. C'est vrai. C'est à cause de toutes ces histoires de séduction, que Dieu ne veut même pas que la femme même se positionne devant les gens comme ça pour faire des trucs. Peut-être dites-moi, est-ce que vous pensez que cette femme-là, elle a bien fait de baptiser les gens? Est-ce que vous pensez aussi que ces gens-là, ces personnes qui sont venues pour interrompre ce baptême, est-ce que vous pensez que ces gens l'ont bien fait aussi? Dans quel camp êtes-vous? Ne soyez pas dans un camp inutilement. Ce n'est pas un débat. Nous devons suivre Jésus et la parole de Dieu. Que Jésus-Christ est venu nous prêcher ici. Si tu penses que la parole de Dieu n'est pas assez claire pour toi, prie. Dis seulement, Seigneur mon Dieu, s'il te plaît, viens m'aider à comprendre ta parole. Viens me parler toi-même. La même moi, je te parle, puis tu m'écoutes là. Dieu aussi peut te parler comme ça. C'est grave. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir une femme qui va essayer de nous éclaircir sur certaines choses par rapport à les femmes qui prêchent et tout.
vous serez même peut-être surpris parce que vous allez voir, dès que cette vidéo sera disponible, elle sera apparaîtra ici ou là. Bon, vous allez voir. Si vous êtes abonnez-vous et partagez cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné sur notre chaîne, cliquez sur ce bon, allez, suivez la page d'accueil. Abonnez-vous sur notre bon 2, notre bon 3. Et Yanks TV, maintenant dites-moi, est-ce que vous vous êtes déjà fait baptiser par une femme? Ou si une femme prophétesse décidait de vous baptiser, accepteriez-vous? Bon, c'est affaire à suivre. C'est parti.